comment ça va YouTube? Vous savez, on a vu plein de sports à la con, que ce soit des concours de claques ou encore des compétitions de karjitsu. Ça, c'est des sports débiles. Et maintenant, on a envie de réagir à un nouveau sport que je ne vais pas vous spoiler. En fait, faut savoir que depuis que j'ai commencé les reacts à des sports de Golemon, vous avez été beaucoup à m'écrire sur Instagram et à m'envoyer tous les réels des sports un peu cons que vous croisez. Et aujourd'hui, je crois que je suis tombé sur un sport vraiment conceptuel en vrai. Je sais même pas dire con. Les amis, bienvenue dans les concours de découpe de légumes professionnels. C'est parti! Der Ablauf ist ganz einfach. Ich nenne euch ein Lebensmittel. Alors par contre là le problème c'est que je pourrais rien vous traduire parce que cette fois-ci c'est de l'allemand et je suis incapable de parler allemand. Déjà j'étais pas capable de parler espagnol mais alors allemand. Pff. Alors voyons voir. Est-ce qu'il est capable de couper ça symétriquement, parfaitement? Zusammen mal ein bisschen spekulieren, was wohl die cleverste Herangehensweise ist. Ok donc il y a une phase d'observation quand même hein, histoire de voir quelle coupe il va adopter. Schneidet man links, schneidet man quer. Also Schutzhandschuhe sind wirklich sehr sehr scharfe Messer. Das ist also eine Herangehensweise. Wo muss man aber nicht machen. Je suis mort, comment il prend son temps. Hey. Zwei Teile. Hey. So, da ist zumindest schon mal ein Schnitt getan. Also da kann man nicht mehr viel. Ah, je sais pas s'il est au milieu, milieu, milieu. Hein. Ändern. Nicht sich okay, was warte, warte, warte. Noch nicht drauflegen. Ja. Sehr gut. Sehr gut ou pas, chat? Non, archi pas. C'est pas au poids. Ah ouais, c'est vrai. Y a pas que le fait de couper au milieu, c'est que tu dois comparer le poids. Putain, c'est intéressant en vrai. Vas-y, fais voir. Oh là 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 là. 0,129 contre 0,147. Qu'est-ce qu'il est nul. Oh là 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 là. Sortez-le du plateau, quoi. T'imagines, 18 grammes. Darf ich gucken? Ja, natürlich, darfst du gucken. Allez. Oh. Il est plus proche. Il est plus proche. Ah. Somit Punkt für Alexander, jetzt kommen die Sachen hier rein, dann machen wir nachher eine schöne Suppe drauf. Für die Aftershow. C'est quoi, c'est, ils en font une soupe après ou c'est comment? Déjà, il y a une émission qui s'appelle Schlag dans Star. Qu'est-ce que ça veut dire en allemand ça, les gars? En fait, ça veut dire balastar. Prochain légume, les gars. C'est quoi ça comme légume déjà? En fait, ça, c'est un pané. Oh, ouais, il est obligé de faire dans la longueur parce que s'il coupe comme ça en plein milieu, c'est sûr que cette partie-là sera le plus légère que la grosse partie. Donc il est obligé de couper vraiment verticalement. Ça fait hier. Wenn sowas schon mal gemacht hat, weiß er vielleicht auch. Ihr seid versichert, ne? Wir ja, aber du versichert. Mais il est en train de se foirer là. Kantet sich auch mal das Messer. Ah quoi que. Oula, c'est pas droit ça. Alors je charriais le truc en début de vidéo, mais en vrai c'est captivant. Ça me fume Henri qui fait le spécialiste de coupage de légumes. C'est vrai qu'en plus je cuisine pas de ouf, donc je suis vraiment le plus mal placé pour juger ce genre d'épreuve. Ah pas mal ça. Attends, mais je suis persuadé. Attends. J'arrive les gars, j'arrive. Je suis persuadé que je fais mieux. J'ai une balance, j'ai un couteau, j'ai une banane. Je vais vous montrer que je suis meilleur que. Bon déjà la banane, je la coupe avec la peau ou sans la peau? Avec la peau. Avec la peau. Vous êtes prêts? Y'a un truc là, non? Je te jure que les Allemands là qu'on voit à l'écran, je les tabasse. Pas mal, hein? 117 grammes, les gars. À l'autre morceau maintenant. Non, après, il va falloir que je la mange cette banane du coup. 76 grammes. Non, mais. J'ai bien coupé au milieu. Mais c'est dur en fait. Jetzt fangen wir bei dir an. Nul. Nul sur 20. Vraiment nul, hein. Moi, j'aurais fait mieux. Zargoud ou pas Zargoud? Punkt. Für Silvio. Un partout, les gars. Remontada de la partie rouge. Prochain légume. Aubergine. Aubergine. Ah, aubergine. Ils disent aubergine. Je m'attendais à un autre nom en allemand. Also, beide schneiden immer längs. Scheint auch das bessere System zu sein. Bon, en vrai, c'est débile. Je peux pas dire que ça, c'est débile quand je regarde des concours de claques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y aura rien qui est plus con que Power Slap en réalité. Ça, ça fait de mal à personne et c'est un peu drôle. Et même nous, on s'y est essayé. C'est pas facile en vrai. Oh! Je crois que le rouge, il a ses chances. Hein. Le rouge, il a fait un truc très propre, je trouve. Aubergine. Je crois qu'il tient un truc aussi le bleu là. Mais du coup tu sais je suis en train d'imaginer. Ça veut dire que le Boug il est tout seul dans sa cuisine. Et tous les jours il s'entraîne à faire ça genre. Pourquoi pas in der Weltrangliste, deswegen. Ok, Hinling. Ok, allez c'est parti la pesée les gars. Gucken. Oh, 6 grammes. Un chauffard de baiser. Est-ce qu'il va pouvoir faire mieux? Parce que 6 c'est petit hein. Schwer dort irgendwas zu erkennen, oder? Ouais quand même, hein. Il vient de se faire atomiser. Comment ça 30 grammes de différence? Il faut se ressaisir à droite là putain. Oh, oh ça ça fait dur ça. Non c'est pas que des légumes, il y a aussi le pain. Non là c'est dur parce que le pain il est courbé pour le coup. C'est clair, diagonal, völlig egal. Vous couperiez dans ce sens là ou pas? En vrai ouais parce que dans ce sens là il y aurait toute la croûte qui te gênerait je pense. Beide Hälften müssen möglichst gleich schwer. Tricky. Mais bon on échange de couteau. Wenn es leichter zu schneiden ist. Ja, ja ich. Also. Je suis mort, c'est chirurgical le truc. Zwei Hälften quasi anzuzeichnen.
Légèrement trop à droite là quand même là non? Non mais là attends, non là il déconne, là c'est trop à droite. Und ich sag's mal so, wir waren nie bereiter dafür. Pas en ce plan, il aura pas la moitié, les gars. Je pense que le bleu, il va encore faire de la merde. Non, il a chié. Oh, il a tellement chié. Oh là là, regardez-moi ce massacre. Le mec en rouge qui se régale. Ça sent bon la farine, ça. Ça, c'est frais, ça. Ça, c'est du bon pain. Non, il s'est raté. Je pense que le rouge, il a gagné. Je l'avais dit, hein. Je l'avais dit qu'il s'était raté. J'aurais fait mieux. Ah, ça a l'air plus égal quand même, on va voir. Oh! Putain, il est fort, hein. 41. Silvio, wir kommt den Punkt. Wo kommt das jetzt hin? Attends, mais du coup, ils vont vraiment faire une soupe, là? Non, j'y crois pas un instant, parce que sinon, la bouillie de pain avec l'aubergine et le pavé, le panais, je suis pas sûr, hein. Ok, le prochain, on passe sur le céleri, les gars. C'est quoi le céleri? Attends, ça ressemble à quoi, le céleri? Ça, c'est un concombre. L'autre, c'est une courgette. Ça, je sais pas ce que c'est. Jetzt wusste ich mal, was passait, nicht wusste. C'est quoi cette merde? C'est une noix de coco, ça, non? C'est pas du céleri, ça, si? Quoi? Ça ressemble à ça, un céleri? Mais attends, le céleri, je vois très bien ce que ça donne quand c'est coupé, mais c'est rond de base? Non, respecte la noix de coco, mais on dirait trop une noix de coco. Enfin, elle est pas marron, t'as vu, mais on dirait les mêmes trucs. Ah, il peut le faire. Ah non, j'ai l'impression que le bout droit est plus gros que le bout gauche. Lui, ça va, je crois que le bleu a ses chances. Ouais, non, là, il y a un peu d'écart là quand même. Ah, let's go! 3-2, les gars, 3-2. Ok, concombre, les gars. En vrai, là, pour le coup, ça vaudrait le coup de couper juste genre comme ça au milieu, non? Plutôt que de couper tout le long. Ah non, je crois peut-être que c'est obligatoire. So, wie eine Vetter sagt, längs geht schon. Bei so einem recht weichen Gemüse wie einer Gurke kannst du natürlich auch. Un peu de quoi faire avec le messer, non? Ah, je crois qu'il est pas mal, lui. Hein. Putain, mais en vrai, on se moquait de ça, mais en fait, c'est captivant. Hein. Ok. Ah, je suis pas convaincu, franchement. Wer es besser gemacht hat, schwer zu erkennen. Tu veux voir le bleu? Ok. Oh. Un peu mieux faire, quand même. Hein. Oh! Mais il est tellement chaud, frère! Punkt für Silvio. Je suis nicht der Meinung. Oh, le maïs! Links zu machen, bisschen anders. Ja, das ist mir klar. Wird hoffentlich noch ein recht weicher Gemüsemais sein. En fait, ça va être compliqué parce qu'il y a les grains à gérer quand même. Non. Mais ouais, il y va comme un boucher. Il y va comme un boucher. Comment il va réussir à coup. Comment il le tient son maïs là? Non, le maïs c'est chaud. Le maïs c'est vla chaud en vrai. Ok, en rouge il y parvient, je trouve. Attends, là, va-t-il un peu quelque chose tomber? Attention, qu'il casse pas tout, hein, le rouge. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait en bleu? Mais putain, mais fais un effort, bordel! Mais qui coupe son maïs à la verticale, frère? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Voilà, mais pose-le à plat. That thing is echt hot. Non mais frérot, mais fais un effort, mais utilise la pointe. T'arriveras pas à traverser le maïs. Ça y est, il m'énerve. Ça y est, c'est officiel. Je suis à fond dans le sport là. Enfin, le sport, bref. Coupe ton maïs et utilise la pointe du couteau. Ah, le rouge, il commence à s'en sortir là. C'est tout. Mais ça a l'air dur de couper un maïs. Il est en plein drift, mais oui, mais là pareil, il est parti en sucette en rouge là. Ich bin gleich durch und ich hab's zur fast zur Hälfte durch. Voilà, il aurait limite mieux fait de le découper dans la largeur hein, plutôt que la longueur. Ça bricht ça. Pourquoi? Il est con, mais vas-y, il est con, frère. Ah bah lui, c'est encore pire, il a encore fait moins d'efforts en bleu. Genre, le rouge, il s'est foiré, mais le bleu, il est tellement nul qu'il va quand même perdre. C'est nicht kaputt. Eh, en vrai, c'est pas dégueu, hein, 10. Il reste une dernière découpe, les gars, dernière découpe. Non, vas-y, la pomme de terre, c'est simple. Là, ils peuvent pas se rater, là, c'est simple. Ouais, là, c'est bien au milieu et tout, là, c'est facile. Facile comme tout. Easy. Il veut pas se foirer en bleu, là. Il coupe déjà trop à droite. Il a un problème de vue. Il va se couper un doigt en plus, là. Regardez comment il tient le truc. So, das ist also das Spielball Gemüse. Wobei, Kartoffel, ist das überhaupt ein Gemüse? Nein, auch ich lerne. Und stand früher immer dran, Obst, Gemüse. Mais, ah, faut qu'il arrête de faire pivoter ses fruits à la verticale là. Qu'est-ce qu'il fait? Pose ton putain de légumes et coupe d'un coup. Scheiße. Bah oui, bah scheiße. 8. Das ist gut. Putain, pas mal hein. Das ist richtig gut. Ja, mir wird 8. 20 8. sein. Ja. Ja, also... Il est pas bon hein. Bekommt Silvio den Punkt und gewinnt auch das Spiel.
Ab den Topf oder lass es liegen. Bien joué au rouge. Voilà un nouveau sport débile auquel on a réagi. Hein. Ça, c'est vraiment un gros changement qu'on a eu sur la chaîne gaming depuis un moment. C'est que depuis que je commence à réagir au Power Slap, vous m'avez envoyé tellement de sports à la con sur Instagram, que ce soit le Karjitsu ou encore ça, je me dis que ça va être la nouvelle méta de la chaîne. C'est génial. Et pourtant, le truc, c'est que on se foutait de leur gueule au début, mais vous avez vu à quel point c'est captivant. Mais juste voir deux gars couper des légumes symétriquement, ça, c'est ma cam. En tout cas, si on doit bien retenir qu'une chose, c'est que le mec en bleu, il était vraiment pas bon. Moi, je suis sûr que je peux le battre. Genre, tout à l'heure, ok, la banane, etc. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Pour moi, c'est un accident. Mais le mec en bleu, je le bats 100% parce que le truc du maïs, là, comment il l'a coupé et tout, c'était n'importe quoi. En tout cas, si jamais la vidéo vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce bleu, à me dire si vous voulez d'autres réacts à ce genre d'épreuve à la con, ou à m'envoyer des messages sur Instagram pour m'envoyer d'autres sports bizarroïdes. Je me ferai un plaisir d'y réagir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace! Je crois que je vais pouvoir te couper en deux.